La France serait-elle à l'aube d'une nouvelle vague épidémique? Face à la multiplication des cas de Covid-19 liés à la propagation du redoutable et extrêmement rapide variant Delta, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a pris la parole ce mercredi 17 juin pour dresser le bilan d'une nouvelle semaine de regain épidémique. À l'issue du Conseil des ministres, le secrétaire d'État s'est montré particulièrement alarmiste, appelant à une vaccination massive pour empêcher un rebond des admissions en réanimation. La vaccination est notre carte maîtresse pour sortir du tunnel, a-t-il souligné. Mardi 6 juillet, Santé publique France a dénombré 3585 nouveaux cas de Covid-19. Un chiffre que le pays n'avait plus atteint depuis le 12 juin dernier. 11 régions voient leur taux d'incidence augmenter, avec des dynamiques épidémiques particulièrement fortes en PACA ou en Île-de-France, a précisé le porte-parole du gouvernement. Le variant Delta est redoutable, il est extrêmement rapide et partout où il sévit, il peut gâcher l'été, s'est-il inquiété. Une nouvelle allocution en vue pour Emmanuel Macron? Pour faire face à ces résultats alarmants, le fils d'Yves Attal a annoncé la tenue d'un nouveau conseil de défense sanitaire dès lundi, au cours duquel il sera notamment question de la vaccination obligatoire de certaines professions. Le président de la République Emmanuel Macron mettra aussi sur la table de possibles nouvelles restrictions aux frontières et l'extension potentielle du pass sanitaire, et pourrait livrer une allocution dans la foulée du Conseil de défense, dès le lundi 12 juillet. Le 7 juillet 2021 en France, 34 894 204 personnes ont reçu leur première dose de vaccin contre le Covid-19, et un total de 25 357 161 personnes disposent d'un schéma vaccinal complet. Un résultat satisfaisant mais insuffisant, selon le gouvernement, pour freiner une potentielle quatrième vague.